On s'est connus au lycée, mes copains et moi, en 1964. Ça vous intéresse de voir baiser la prof de sciences nat avec T. Lipton? Le prof d'anglais? De cette expédition homérique est née une amitié de 20 ans, qui nous a entraînés dans toutes les aventures les plus intéressantes qui soient. Le rock'n'roll. Ouais, toutes les filles ont les auras. La prise de conscience politique. Libérez Angela Davis! On n'est pas au Vietnam. L'éveil psychédélique. Sans le nerf de bœuf, il y a des voyous. La révolution sexuelle. Qui couche avec qui? Imane Guido, c'était sur le ciel, oui, qui a voulu me déshabiller! Ça m'a laissé. Bon, ça n'a pas toujours été facile à vivre, d'accord. Surtout dans nos rapports avec les femmes. Ouais, il va pas foutre en l'air tout le travail de la compagnie pour une histoire de cul très limite quand même. Hein. Mais on était tout de même des pionniers. Et si c'était à refaire, on le referait. Mais aujourd'hui, que reste-t-il de cette épopée sans pareil? Elle s'est mariée avec ce gros con, ils sont en pleine scène de ménage. Je t'en supplie, saute là. Alors là, si ça doit être règlement de compte à Hockey Coral, vous aurez peut-être mieux annulé le week-end. Qui sommes-nous devenus? Toi, de toute façon, t'avais rien à droite depuis t'es du pognon. Avons-nous perdu nos rêves? Il paraît que t'es devenu un dentiste bourgeois. Bonjour, pourquoi donc je suis conventionné? Et je suis romancier aussi à mes heures. Tu penses que je suis un raté? Sommes-nous encore capables d'un grand amour? Bernadette? D'amitié, de générosité, d'intelligence, de clairvoyance? Au fond, c'est assez passionnant une dent. Je baisse plus depuis 83. Je peux pas laisser une copine qui crée SOS? Ce sont vraiment mes meilleurs copains, et vous devriez les adorer pas mal vous aussi.